aujourd'hui, on va faire un jeu. Je vais t'apprendre quelque chose. T'es d'accord ou pas? Tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle comment? Oui. Eh bien, tu sais comment on appelait ça quand j'étais petite? Les gens, ils appelaient ça des cristals. Allez, on y va. Tu prends une cristal, vas-y. À toi. Bravo, mais t'apprends vite, toi, dis donc. Voilà. Ah. Comme moi? Ouais, à toi. À toi de jouer. Je suis une chanteuse guadeloupéenne, je m'appelle Cristal. Je suis très, très, très ouverte et en même temps très penchée sur le local et très penchée sur la famille, très penchée sur les valeurs, la base. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Alors, vous savez quoi? Il y a quelque chose qui m'intrigue. Qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas, je vois une bonne ambiance, il y a du monde. Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je vivais ici il y a très longtemps. Après, je suis partie en métropole et j'avoue que j'ai complètement perdu la tradition. Le lundi. Le lundi. Ce sont les fêtes de Pâques, hein. Nous sommes en vacances en ce moment. On profite de la plage. D'accord. C'est le moment d'être en famille. Voilà. Ah, vraiment? Que du bonheur. Merci beaucoup, mesdames. Merci, au revoir. Merci, bye bye. Ça va, papy? Ça va, mamie chérie? Oh là là, il fait chaud aujourd'hui, hein? Oh là là. Mais c'est bon tout ça. On va bien manger. Les marinades, c'est pour aujourd'hui? Bien sûr. J'ai vécu ici et j'ai vécu dans cette maison avec mes grands-parents. C'est eux qui m'ont élevée. Et ouais. Jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à chanter quand je suis arrivée en France. On avait monté un petit groupe où on chantait de la soul. J'écrivais les chansons. On a fait plein de petits concerts comme ça. J'avais mon travail à côté. Je travaillais dans l'aéronautique et voilà. Et un jour, j'ai dit à mamie que je ne travaillais plus, alors elle m'a insultée. Elle m'a dit des bêtises. Ben oui, je voudrais qu'elle soit enseignante. Voilà. Elle a fait un choix. Elle a fait son choix, donc elle n'a plus rien. Elle m'a dit, papy, tu peux être fâché, mais j'ai fait un choix. Ma voix, c'est un cadeau des anges, parce que tu sais, souvent on disait que c'était les anges qui chantaient, et donc je dis que c'est un cadeau des anges. Planté ici qu'on racine à Margani, c'est plein déjà chaviré tout comme vrai. Donc c'est une chance que j'ai rien demandé, j'ai pas eu à faire d'efforts et c'est tombé sur moi, donc je me dois quand même de respecter ce truc-là. Alors, papy, je peux continuer à faire mon métier? Continue. Tu as commencé, il faut continuer. Alors ici, on est à Petit Canal et je vais vous faire faire la connaissance d'une dame. C'est une grande dame, une couturière, celle qui m'habille quand je fais mes spectacles. Elle a une petite particularité, c'est qu'elle fait des tenues créoles. Bonjour. Bonjour. Alors les filles, ça va? Ça ouais. Va bien. Alors Denise, elle habille les artistes, les danseurs. On va dire que c'est l'incontournable. Là, ça va? Retourne-toi. Maintenant, la tenue traditionnelle revient à la mode. Tout le monde porte la robe traditionnelle. Mais la seule chose que moi, je n'aime pas trop, c'est de voir les robes créoles porter n'importe comment. Puisque maintenant, on s'habille avec très peu de tissu. Ah ben c'est sûr, hein, c'est pas assez sexy peut-être. Comme Virginie,
Elle a mais très non. peu de tissus sur elle en ce moment. Mais tout à l'heure, elle aura beaucoup de tissus. Ouais, mais c'est ça l'avantage d'être une femme moderne, Denise. Autant on peut sortir les gambettes, et bien des fois on met des grandes tenues. Et puis je disais quelque chose, c'est pas forcément parce qu'il y a plein de tissus que c'est pas joli, que c'est pas sensuel et sexy. Moi, je trouve pas ça vieillot du tout, au contraire. Voir par exemple une jeune fille qui se promène à Pointe-à-Pitre avec ça, ben, les gens vont la regarder bizarrement. Parce que maintenant, c'est les poum-poum shorts, c'est les hauts courts, c'est des très... C'est vrai, Denise disait très peu de tissu, et c'est vrai. Alors que maintenant, on peut porter une robe collée avec des jeans, avec des... Ah, on peut faire ce qu'on veut. Le traditionnel, c'est important, c'est la base. Alors, plus t'es traditionnel, et plus tu peux te tourner vers la modernité. Elle est pleine. Elle est pleine. Au niveau des grands-parents. Vous êtes là. Qu'est-ce que ça vous fait de venir ce soir pour la première fois d'avoir un... C'est pour la faire au plaisir. Parce qu'elle m'a dit si je ne viens pas, elle va se fâcher contre moi. Alors j'étais obligé. Parce que je suis tout le temps au match de football. Je suis venu pour la faire plaisir. Je voudrais qu'ils me disent à la fin du concert, continue, continue parce que ce que tu fais, c'est bien.